Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 25 mars, le mercato à la une, le Real Madrid aurait identifié sa prochaine cible en attaque et ce n'est pas Kylian Mbappé, jugé trop cher. Le contexte actuel annonce d'ailleurs un mercato estival assez calme. Les dirigeants madrilènes se tournent plutôt vers Erling Haaland qui a signé cet hiver à Dortmund, mais avec une clause particulière. C'est cette clause justement qui intéresse le Real selon AS. S'il ne signe pas de nouveaux contrats, la pépite norvégienne sera disponible à partir de janvier 2021 pour 75 millions d'euros. Une affaire au prix où se sont échangés les avant-centres de classe mondiale dernièrement. À 42 ans, Gianluigi Buffon avait fait savoir il y a quelques jours qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite. Visiblement, le gardien de la Juve a été entendu. Selon Tuttosport, Buffon est sur le point de prolonger son contrat d'une saison, soit jusqu'en juin 2021. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo, le Portugais continue de s'entraîner du côté de l'île de Madère, où il est actuellement confiné, et la star de la Juve garde visiblement la forme au vu des derniers clichés postés sur les réseaux sociaux par des proches. Cela n'empêche pas CR7 de rester généreux. Lui et son agent Jorge Mendes ont décidé d'aider ceux qui sont en première ligne contre le Covid-19 avec un don d'1 million d'euros au profit de deux hôpitaux de Lisbonne et de Porto. Grâce à cette contribution, des unités de soins intensifs seront construites, ce qui permettra d'augmenter la capacité d'accueil. Quelques infos en bref, les dirigeants du FC Barcelone se sont entretenus avec les joueurs pour évoquer leur volonté de baisser les salaires en cette période compliquée. Ils auraient proposé de régler 70% du salaire de base des joueurs sans toucher aux primes. Le quotidien généraliste El Mundo assure que les joueurs ont temporisé pour étudier ces conditions avec leurs proches. Le quotidien indique que le club adoptera la mesure avec ou sans le consentement des joueurs. Tous unis contre Manchester City, ou presque, selon le Daily Mail, 8 équipes du top 10 de Premier League se sont unies pour contrer l'appel des Citizens devant le tribunal arbitral du sport. Objectif: empêcher Manchester City de jouer en Ligue des Champions les deux prochaines saisons. Sanctionné pour non-respect du fair play financier, le club du nord de l'Angleterre a l'intention de faire traîner les choses pour bénéficier d'un effet suspensif et donc de participer à la prochaine édition en attendant l'appel. Léo Messi et Pep Guardiola ont eux aussi apporté une grosse contribution à la lutte contre le Covid-19. Les deux hommes ont versé 1 million d'euros d'un côté à un organisme pour lutter contre la propagation du virus et de l'autre à des établissements hospitaliers. Enfin, l'Inter Miami change de logo de manière provisoire, là aussi afin de participer à sa manière à la lutte contre la pandémie. Le club de MLS, propriété en partie de David Beckham, a trouvé un moyen original de faire passer le message des gestes barrières avec un respect des distances sociales. Les deux hérons blancs, habituellement entrelacés, prennent leur distance provisoirement. La revue de presse direction l'Italie, où le Corriere dello Sport évoque à nouveau la fin de saison en Serie A et les différentes options pour jouer les 12 dernières rencontres de championnat et terminer les Coupes d'Europe. Pour Tuttosport, le pessimisme est de mise. L'hypothèse d'une saison blanche est de plus en plus crédible. Le quotidien sportif affirme que sans amélioration spectaculaire dans la lutte contre le Covid-19, le championnat n'ira pas à son terme. En Espagne, le quotidien Sport parle du mercato du Barça et le club Blaugrana va devoir vendre avant d'envisager quoi que ce soit. 8 joueurs sont annoncés comme transférables et le français Antoine Griezmann en fait partie aux yeux du journal catalan. Umtiti, Coutinho et Rakitic également. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.